Des vélos comme s'il en pleuvait. Ils arrivent par containers entiers depuis plusieurs mois et leur prix ne cesse de baisser. Le container arrive, dès que les vélos sont dans le magasin, on prévient les clients et puis ils viennent chercher. Des baisses d'environ 25 à 30% grâce à une mesure fiscale que les commerçants affirment avoir répercutée. Depuis qu'on a eu les droits de douane qui ont baissé de 12% et la TVA de 16%, on a répercuté évidemment les prix et les prix ont énormément chuté, et ce qui fait que les ventes de vélos ont explosé. Une impression généralisée chez les principaux vendeurs de bicyclettes qui jouent le jeu et se félicitent de pouvoir inciter la population à bouger. Pas de marge remontée, on a gardé les mêmes marges, mais on a baissé pour que ce soit les mêmes prix qu'aux États-Unis. Pour que les clients aient la même avantage. Quoi. Depuis que c'est hors taxe, beaucoup de gens se sont mis au sport. Les clients à nous qui ne pouvaient pas se permettre avant, maintenant peuvent se permettre d'acheter un bon vélo de marque américaine. Ici, cet ancien cycliste professionnel répare et vend ses joujoux préférés. Le constat est clair, tout le monde s'y retrouve, y compris le gouvernement. Ça a mis un petit peu de temps à démarrer, mais je peux dire que maintenant c'est parti. Et puis ça met plein de gens sur les vélos, ça permet aux gens de faire beaucoup plus de sport, de se porter beaucoup mieux. Et je pense que dans le long terme, le territoire s'y retrouvera sur la santé des gens, sur les coûts de santé. Quoi. Pas le même son de cloche pour tout le monde. Certains privilégient encore Internet. C'est cher aussi. Pourtant, apparemment, les prix ont baissé. Hein. Tu es au courant de ça? Non. C'est un peu exagéré, ouais, les prix. C'est cher. C'est mieux de commander sur le net, c'est moins cher. Quoi. Avec ou sans le net, à Tahiti, la petite reine à la côte.